Donner la vie, ça semble assez facile. Mais protéger celui que vous avez mis au monde, ça c'est une tâche bien plus difficile. Sauf pour les figurants de notre vidéo. Qu'est-ce qui se passe si on jette plusieurs litres d'eau sur une voiture ? Du coup, c'est facile d'imaginer à quel point des chutes d'eau peuvent être dangereuses, non? Mais c'est là que ces oiseaux cachent leurs petits et se cachent eux-mêmes. Comment ils ont eu cette idée? Franchement, j'en sais rien du tout. Le martinet à tête grise vit dans les forêts tropicales près des chutes d'eau dans le nord de l'Amérique du Sud. C'est probablement le seul oiseau qui s'est si bien adapté aux puissantes averses d'eau qu'il est prêt à les traverser deux fois par jour. Les martinets passent toute la journée en l'air, et le soir, un par un, ils se précipitent dans la cascade. On dirait bien que ces oiseaux avaient des pivers dans leur lignée, et que parfois ils s'en souviennent et commencent à cogner contre des surfaces dures. Certains chercheurs du passé pensaient même que les martinets ne survivaient pas à une collision avec une chute d'eau. Mais ce qui semble être une tâche impossible pour certains, c'est une simple routine pour d'autres. Les martinets naissent dans des nids cachés de tous par les chutes d'eau, et y vivent toute leur vie. Aucun rapace n'est capable de monter aussi haut, et qui s'y risquerait? Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à la voiture? It's amazing, isn't it? En fait, pour que vous compreniez à quel point ces oiseaux sont bien protégés, voici un exemple simple. Voici ce qui arrive aux nids normaux qui sont logés dans le creux des arbres. Si vous ne voulez pas être mangé avec vos bébés, vous devez rivaliser d'imagination. Et c'est ce que les Calaos ont fait. Eux aussi pondent leurs œufs dans des cavités, mais avant cela, la femelle scelle l'entrée de l'intérieur avec de la terre, des excréments ou de la pulpe de fruits. Elle la referme presque complètement, de sorte qu'il ne reste qu'un petit trou ou une fente par lequel le mâle va la nourrir. C'est simple, personne ne va monter dans le nid s'il n'y a nulle part où grimper. Quelques semaines après l'éclosion des poussins, la femelle détruit le mur construit, sort du creux, puis le referme. Les poussins quittent le creux à l'âge adulte et c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous vous dites peut-être, et tous les déchets? Et oui, c'est effectivement un problème. Les femelles de certaines espèces de Calaos déversent leurs déchets par un trou dans le creux. Si vous passez par là, attention à votre tête. Et pourtant, la nature n'a pas donné à tous les animaux le moyen de se protéger. Le tatou, par exemple, a eu beaucoup de chance. Il se met en boule, et voilà, personne ne le mangera. Le reste des animaux n'a pas gagné la loterie. Imaginez, vous devez constamment, presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, réfléchir à comment ne pas mourir. Et certaines personnes savent ce que ça fait. Voici une vidéo de 1940, et cet homme est en train de tester un siège éjectable. En gros, il essaie de survivre. Il ne sait pas quelle sera la force de la prochaine poussée, comment son corps y réagira, s'il survivra, et combien de temps les expériences vont se poursuivre. À l'avenir, cette invention permettra de sauver de nombreuses vies. Mais peu de gens savent que bien avant les humains, quelque chose de similaire a été inventé par les grenouilles. Regardez, quand un serpent attaque une couvée, les têtards... Waouh, ça c'est rapide. Bon, ils vont pas non plus attendre de se faire dévorer. Normalement, les futures grenouilles arboricoles ont besoin de plus de temps pour éclore. Mais dès qu'un prédateur se rapproche, elles activent un protocole d'évasion spécial. Le serpent crée des vibrations auxquelles les têtards réagissent. Et en quelques secondes, toutes les futures grenouilles arrivent rapidement à maturité. Les têtards sécrètent des enzymes spéciales, dissolvant la coquille collante et se libèrent instantanément. Imaginez la surprise des serpents. Hey, what happened? On ne s'attendrait normalement pas à ce qu'un têtard s'échappe. C'est comme si vos céréales s'échappaient d'un coup de votre bol et disparaissaient dans l'inconnu. Grâce à ce mécanisme de défense, les parents grenouilles n'ont même pas besoin d'être présents pour surveiller leur progéniture. Ils peuvent facilement se débrouiller tout seuls. Mais ce n'est pas la seule espèce qui a la chance d'avoir une protection intégrée pour sa progéniture. Les cercopidés sont des parents des cigales, mais peu de gens s'y intéressent à l'âge adulte. Les larves sont beaucoup plus intéressantes. Elles forment une mousse épaisse autour d'elles, comme si elles avaient passé des heures dans le bain. Elles se créent une défense à partir de leur urine aqueuse mélangée à un liquide collant spécial pour construire une sorte de nid de bulles autour d'elles. Les larves se sont adaptées pour respirer à travers l'épaisse couche de mousse, mais surtout, elles servent de barrière naturelle contre les prédateurs. On dit que non seulement la mousse cache les larves des regards indiscrets, mais qu'elle a aussi un désagréable goût amer. Je refuse de croire qu'il y a quelque part un scientifique qui a volontairement léché la mousse d'urine de ces insectes, mais on dirait bien que si. It has kind of a bitter taste. But the question for scientists was,
Does the nymph breathe through those bubbles? D'accord, certains animaux se sont donné beaucoup de mal pour trouver ces moyens de protéger leurs petits. Mais si la nature peut être qualifiée d'école de survie, alors comme dans toutes les classes, il doit y avoir les bons élèves et les cancres. Et dans la deuxième catégorie, on trouve manifestement les pintades. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont considérées comme les plus mauvaises mères de tout le règne animal. Les pintades sont capables de laisser leur nid avec leurs œufs sans protection et de vaquer à leurs occupations, ce dont les prédateurs adorent profiter. Sinon, la mère peut changer d'avis sur son rôle de mère pendant l'incubation et s'en aller, laissant ses petits mourir de froid. Dans les cas où la progéniture parvient à éviter tout cela et à éclore, la femelle oublie parfois son chemin et conduit ses poussins à la recherche de nourriture sur une mauvaise route où ils se retrouvent trempés, gèlent et meurent rapidement. La pintade n'en a rien à faire. Comparé à elle, ce poisson est un modèle. Les épinoches pondent leurs œufs dans un tas d'ordures. Un niveau de sécurité étonnant. Mais il y a d'autres créatures sous-marines à admirer. Le Tyrannochromis macrostoma est une espèce de poisson que l'on ne trouve que dans le lac Malawi en Afrique, ou dans l'aquarium de quelqu'un. Mais leur principale caractéristique, c'est qu'ils trouvent que l'endroit le plus sûr pour un bébé, c'est la gueule de sa mère. Oui, vraiment, dès qu'un prédateur apparaît à l'horizon, tous les alevins sont prêts à se planquer. Et rien ne les gêne, ni le fait que leur mère soit en fait un prédateur coriace, ni le regard des autres habitants sous-marins. Ok, le regard des autres, c'est une chose. Mais imaginez un alevin qui tarde un peu trop à prendre son indépendance. Maman, maman! T'as 35 ans, va trouver du boulot. Maman! Mais il n'y a pas que ces poissons qui font ça. Et les crocodiles? Ils font à peu près la même chose, mais pas souvent. Les femelles ne cachent pas leurs bébés dans leur gueule en cas de danger, et se contentent de les transporter de l'endroit où ils sont nés, dans l'eau, afin que les crocodiles ne deviennent pas la proie d'autres prédateurs. Le voyage n'est généralement pas très long, mais allez dire à cette mère de les laisser tranquilles. Au fait, j'ai lu que la femelle vérifiait le territoire pour détecter tout danger au préalable. Mais pour être honnête, même ça, ça sert pas à grand chose. De nombreux bébés crocodiles meurent jeunes, malgré tous les soins maternels. Ce sont des proies trop désirables pour les prédateurs adultes. C'est peut-être pour cela que les mères essaient de protéger leurs bébés du mieux qu'elles peuvent. Elles réagissent même aux sons qui imitent les bébés. Si vous le jouez, vous allez effrayer une femelle qui sera prête à attaquer, ou la faire se précipiter vers les œufs, pensant que les crocodiles ont commencé à éclore. Vous voulez une autre preuve que les petits crocodiles sont les bébés les plus protégés du monde? Ils ont des nounous. Le dicknem criard est un petit oiseau qui est aussi courageux que le blaireau. Ils pondent leurs œufs très près des crocodiles afin qu'ils puissent garder ensemble leur future progéniture. Et ne pensez pas que les œufs dicknem ne font pas de bons défenseurs. Les oiseaux se jettent même sur les gros lézards, l'air de dire « Hey, t'es dans le mauvais quartier mon pote ». Les crocodiles aussi aident les oiseaux en s'attaquant à tous les prédateurs qui tentent de s'approcher de leur lieu de nidification commun. Une véritable idylle. Et tout cela est surveillé par les gavials. Ils aimeraient bien porter leur bébé dans leur gueule, mais seuls les poissons peuvent y rentrer, et leurs dents sont trop pointues. Bon, du coup, ils innovent. Toujours mieux que les pintades. Soyons honnêtes, c'est beaucoup plus facile de protéger ses bébés quand on est un énorme prédateur. Mais qu'en est-il des petits rongeurs? Ça peut sembler étrange, mais ils utilisent des moyens similaires pour protéger leurs petits. Alors non, ils ne portent pas leur bébé dans leur gueule et n'engagent pas de babysitter. Ils se reproduisent simplement en très grand nombre. Et les crocodiles font la même chose. Une femelle crocodile du Nil peut pondre jusqu'à 100 œufs à la fois, ce qui fait éclore de nombreux petits crocodiles. C'est tout simplement nécessaire pour préserver la population parce que beaucoup d'entre eux vont inévitablement mourir. Mais il existe un autre moyen que les crocodiles ne connaissent pas et c'est probablement mieux ainsi. Les écureuils, comme d'autres petits animaux, utilisent la peau de serpent perdue pour couvrir leur propre odeur. Ils se la frottent sur le corps et sur leurs petits. Fait bizarre, cet écureuil a le même parfum que Steve. Et le croco, il veut aussi sentir le serpent? Pas sûr, sauf si c'est la nouvelle fragrance à la mode. A plus.